cette année de mettre cette fête du Bouddha, du bouddhisme, sous la lumière de la méditation. Donc comme vous le savez, en France, trois grandes écoles du bouddhisme, trois grandes traditions du bouddhisme sont présentes en même temps, à savoir la tradition Theravada, Mahayana et Vajrayana. Donc il y aura ces différentes traditions ou écoles qui vont procéder à des cérémonies tout de suite. Et en premier, la cérémonie de Theravada. Tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam Cette pagode de Vincennes est vraiment un lieu unique et fédérateur. C'est un lieu unique parce que c'est un lieu de rassemblement. C'est certainement le seul endroit en France où les différentes traditions du bouddhisme prennent maintenant l'habitude de se retrouver plusieurs fois par an. Des fêtes annuelles ou des fêtes même régulières, il y en a peu, qui permettent de regrouper tous les bouddhistes. C'est une fête qui permet de présenter les activités, ce que le public ne connaît pas nécessairement. Tout le monde est vraiment surpressé, donc c'est pas du tout évident d'aller à la recherche d'informations. Je crois que ça fait partie de ce qu'on a à faire quand on a eu la chance de rencontrer une tradition spirituelle comme la nôtre, c'est effectivement essayer de la faire partager. Les problèmes actuels sont suffisamment inquiétants pour effectivement aider les gens le plus possible à les surmonter. Et la tradition bouddhiste est particulièrement bien armée pour s'occuper de tous les problèmes. Rien n'échappe à la tradition bouddhiste. L'année dernière, on était déjà venus, mais là, de notre propre initiative, parce qu'on avait vu le trac. Et là, cette année, en fait, c'est vraiment l'occasion qu'a fait Laron, venir se balader avec les enfants et... Et on a vu que ça se passait aujourd'hui, on a dit on va faire un petit tour. Quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche et qui vont voir un centre, ils ont du mal à aller dans un centre, ils se posent toujours la question de est-ce que ça va me correspondre. Donc ça c'est bien qu'il y ait une première approche comme ça pour qu'ils puissent rencontrer un petit peu les centres des différentes traditions. Venir ici peut-être peut amener certaines personnes à aller plus loin et à passer, ok, il y a le monde des lectures, mais peut-être aller dans la pratique, c'est-à-dire aller dans un centre ou dans une communauté pour pratiquer. Et donc ça peut être, oui, je pense que c'est intéressant, c'est une bonne chose qu'il y ait ce genre de manifestation, c'est bien. Et puis, je pratique, je vois mes frères et sœurs dans la pratique à Kanchoji, mais je suis quand même très content en tant que bouddhiste, comme j'ai pris refuge dans Bouddha Dharma Sangha, de voir la Sangha, on va dire, dans sa grande dimension, c'est-à-dire toutes les familles bouddhistes différentes. Et c'est toujours très émouvant d'être dans une cérémonie à côté de bouddhistes d'autres traditions, et même si on ne va pas se parler, le fait de faire une cérémonie ensemble, pour moi ça me touche beaucoup et ça me nourrit dans ma pratique et c'est très enrichissant. Moi, je représente un centre pratique zen, donc c'est plutôt pratique, travailler avec soi. Mais de temps en temps, c'est très important qu'on se réunit, qu'on fait la fête. C'est comme un petit stop pendant un grand voyage. C'est une manière de faire connaître le bouddhisme, c'est une manière pour les personnes de pouvoir accéder aux différentes informations, par exemple là, différents textes ou livres, c'est une manière de se faire connaître, bien sûr. Le bouddhisme, bien qu'il vienne d'Asie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux communautés asiatiques, il est vraiment soutenu, mais il est vraiment ouvert. Hein. Et d'ailleurs, les Occidentaux viennent de plus en plus nombreux vers la voie du Bouddha parce qu'elle apporte certainement des questions
à des réponses vraiment d'actualité aujourd'hui, du monde dans lequel nous vivons. Si vous souhaitez comprendre complètement tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur, alors vous devriez voir la nature de tout l'univers comme étant créée uniquement par l'esprit. Vous avez assisté tout à l'heure à une cérémonie commune. Il n'y a que dans cet endroit qu'on le fait, où toutes les traditions sont mélangées et, offrent une cérémonie ensemble. Pour la première fois ici, nous avons organisé un concert de bienfaisance dont tous les revenus serviront à la rénovation de ce pavillon d'accueil. Je l'ai voulu un pont entre l'Orient et l'Occident. Et quand Federico, donc le moine bouddhiste, m'a demandé si je connaissais des artistes, j'ai dit oui, bouddhiste ou non, d'ailleurs athée ou pas, peu importe, pour demander si je pouvais organiser un thème. Et donc j'ai choisi le thème des cordes, les cordes frottées, donc c'est violon, violoncelle, alto par exemple, et les cordes vocales, les cordes chantées, et puis les cordes frappées qui sont le piano. Et donc j'ai désiré que soit représentée la musique à partir du Moyen-Âge jusqu'à la musique actuelle, la musique contemporaine, en passant par le romantisme et le classique. Et j'ai fait une commande auprès de Franck Nathan, qui est un ami et compositeur, pour qu'il puisse réaliser une œuvre contemporaine à caractère modal, c'est-à-dire qui est d'une consonance et qui est agréable aussi à l'oreille, pour quatuor vocal, quatuor à cordes et piano. Les deux œuvres ont été composées dans un cadre spirituel. Alors celle que j'ai composée s'appelle Tukpa. Tukpa, ça veut dire rencontrer en tibétain. En fait, c'est une œuvre qui symbolise la rencontre entre Jésus et Bouddha. S'ils peuvent repartir avec cette image à la fois, on va dire, colorée du bouddhisme, c'est-à-dire multi-tradition, et en même temps cette réalité d'un bouddhisme uni autour de la même source, ce sera déjà une bonne chose.